une bonne idée, celle d'adopter, en tous les cas de tendre vers une harmonisation des règles de sécurité pour les drones dans l'espace européen. Actuellement, les drones de moins de 150 kg relèvent de la compétence des autorités nationales et par conséquent, on a évidemment des régimes juridiques très différents selon les États membres, tant en termes de conception qu'en termes d'usage, mais surtout de sécurité. Et la technologie des drones civils pourrait représenter d'ici une dizaine d'années, dans les 10 prochaines années, environ 10% du marché de l'aviation de l'Union européenne, d'après mes chiffres, et pourrait créer quelques 150 000 emplois nouveaux. Ainsi, le Parlement européen s'est penché sur la question et a demandé à la Commission européenne d'élaborer des règles plus détaillées sur les limites d'altitude, sur les distances maximales en ce qui concerne les vols de drones, les opérations, la nature des opérations, des formations supplémentaires pour l'usage de certains types de drones, des certifications également, en fonction du risque que ces drones présentent. C'est pas seulement une bonne idée, mais c'est une nécessité d'avoir une forme d'harmonisation de la sécurité aérienne et de faire évoluer d'ailleurs aussi au global la sécurité aérienne et l'aviation civile. Tels sont les éléments du rapport que vous trouvez en annexe concernant ces objets volants qui entrent quasiment dans notre quotidien aujourd'hui.